Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de League of Legends. J'espère que vous aimez mes épisodes, que vous ne vous désabonnez pas à cause que je mets que ça. Vous inquiétez pas, d'autres jeux arriveront par la suite, comme vous pouvez voir. Non, vous ne pourrez pas le voir parce que voilà. Je vais peut-être faire des vidéos de APB Reload, de Alliance of Valiant Arms que j'ai déjà fait mais que je vais en refaire par la suite. Hein. Et de Dota 2, que j'ai déjà fait un gameplay dessus, tuto, réel, que je continuerai avec vous en vidéo. Je ferai aussi du PlanetSide 2 si je bug pas, mais normalement non, parce que je vais bientôt avoir un ordinateur avec 8 Go de RAM, largement assez, et 2000 Go de disque dur dedans, donc j'en aurai largement assez pour mettre toutes mes vidéos et tout. J'espère que je vais pouvoir vous présenter de la bonne qualité. Et je pourrai vous présenter du 1080 des HD. Donc ce qui sera exceptionnel, voilà. Donc je te retrouve direct sur le jeu, ça sera une map normale et tout. Allez, à tout de suite. Bon, re tout le monde, là je vous présente Titaram que je vais faire pour vous expliquer le but de détruire le truc adverse. Donc là par contre c'est le champion est aléatoirement, est invoqué aléatoirement. Et vous pouvez toujours changer en cliquant sur ces trucs-là. Des personnages qui sont choisis. Bon, nous revoilons sur le jeu. Donc, Nous attendons notre heure. Je suis un subminé. On va prendre ça. C'est vraiment une ligne mais toute court et tout donc voilà. Et le truc c'est d'aller détruire le truc suivant. Là par contre pour acheter des objets il faut mourir. Donc si vous tombez avec votre champion préféré, c'est bien, mais voilà. Dégâts supplémentaires 25-40, oui. Et là, voilà. Apparemment, on a l'air de gérer l'ennemi. À vue d'œil. Il fait mal, mais si je peux avoir Nasus, ça sera super cool. J'ai failli en avoir un, mais c'est pas grave. Il peut y avoir un Nasus. J'ai beaucoup de résistance, bon ça va. Non, j'ai pas vraiment de résistance.
ça fait beaucoup de dommages là en ce moment. Je suis le seul. Ce qui est assez rare hein, que je reste tout seul. J'ai failli en avoir un, mais Kazim vient de me piquer. Donc, ça me fait chier. Si elle va très vite, j'en referai une par la suite. Oh, oh, je perds beaucoup de vie là. Allez, de la vie, merci, c'est super cool. Oh, thank you. La vie pour moi, merci. Merde, 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 merde. J'ai été visé par la tourelle. Bientôt se faire éliminer. Le seul problème c'est qu'ils sont à plusieurs donc je peux pas attaquer. Bien m'avoir. Bon, ça va, c'est quand même assez bien parce que je vais pouvoir. Hop. Je vais me faire des objets offensifs, hein, étant donné que j'ai renforcé un peu. On va me faire quoi? Tiens, ça. Ce qui est bien, c'est qu'il a un atout de protection qui lui protège contre 160 points de dégâts. Ce qui peut être très utile quand il vous reste très peu de vie et que vous faites attaquer. Là on a quand même quelques atouts. Apparemment il y en a qui savent bien utiliser leur truc, surtout ce case. Il est tombé vraiment sur un bon atout. Lui c'est bien utilisé. Vraiment, quand vous avez une ou deux personnes qui savent bien utiliser leur perso, ce qui est très rare parce que normalement dans une arène c'est généré aléatoirement, donc vous tombez pas forcément sur votre perso en général. Donc c'est rare que vous pouvez avoir votre perso. Mais là ça serait super cool ce que je pourrais avoir. Un kill, ça soit super cool. C'est vraiment là, c'est vraiment un peu un jeu de tank. Vous devez foncer sur l'ennemi plutôt que de tuer les boss birds, mais voilà, ça a des conséquences bien sûr par la suite.
j'aurais pu l'avoir si j'aurais eu mon ancestre. Non, 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 je vais pas mourir, je vais pas mourir. Eh, hey, fils de pute. Je vais te faire enculer. Désolé, mais moi, quand je me fais tuer, je rage un peu, donc... On va voir un peu si j'ai pas de choses à... Voilà, ça. Et ça. Et puis après, on se chargera de prendre ça. On se fera un peu de dégâts aussi, par la suite. Ouais, y'a que moi qui a pas fait de truc et ça, ça m'est fiché parce qu'on fait toujours des KS et c'est vraiment énervant. Là, c'est sûr qu'on gagnera, sauf si vraiment l'équipe se réveille, ennemi. Mais vu comment c'est ça a commencé, je crois pas. Faire grand chose. Tout ce que là elles sont à plusieurs, donc ça serait vraiment du suicide d'y aller. Ah, Timo en plus, Timo il peut faire très mal quand ça c'est bien utilisé. Ouais, franchement, il y en a qui ont vraiment de la chance, hein. Voilà, on prévient avec des super sbires. Je vous préviens que la dernière qu'on avait fait en coop, ça c'était. Non, pas en coop, je confonds avec un autre jeu. Kaes va se faire tuer, mais c'est pas grave. Donc, ce qui est génial là, j'ai juste une baisse de FPS, mais qui dure juste 2 secondes. Ce qui est fantastique, c'est ce que j'adore. Oh 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 oh. Oh le kill. J'arrive vraiment à bien me sauver là. On va prendre la vie. Hop, voilà. Et voilà un kill de prix. Enfin, j'attendais ce moment. C'est un peu con, j'aurais bien voulu l'avoir, le kill. Timo, il me reste pas vraiment de vie. J'attends de récupérer un peu de vie. Est-ce que je fonce ou pas? Arche, si elle a son outil, elle peut m'avoir facilement. Voilà, ça c'est réglé. Pour l'instant, c'est vraiment bien parti pour réussir à faire une bonne game. Ça. Oh, 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 oh
pas grave, j'ai réussi à avoir un kill, ce qui est génial. On va prendre ça, hop. Bah voilà, on se termine là-dessus. On va se dire à très bientôt, j'espère que vous aurez plu cette vidéo. Abonnez-vous, continuez à vous abonner, j'espère. Et mettez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça encourage moi comme youtubeur. Bon, je suis pas encore vraiment un youtubeur professionnel, mais voilà, je commence à vraiment faire beaucoup de vidéos. Continuez à vous abonner et liker, ça me fera beaucoup plaisir. Allez, à ciao ciao tout le monde.